forme d'écriture à double cœur, c'est-à-dire en réponse deux groupes de musiciens qui se répondaient, faisaient une sorte de discussion musicale. Donc c'était une forme à la fois très prisée et qui a permis de donner des nouvelles bases à la composition musicale. La suite de ce programme, comme vous le constaterez, était de Giovanni Gabrieli à George Gershwin, compositeur du XXe siècle, est un programme très varié qui a pour but de donner envie au grand public d'aimer la musique classique, ce que nous allons tenter de faire ce soir. La suite, c'est une pièce de Jean-Joseph Mouret, qui est un compositeur, qui était un des compositeurs de l'époque du Roi Soleil, qui était le contemporain de Lully et de Rameau, tous ces compositeurs de grand talent d'école française. Et c'est une suite en quatre mouvements qui s'appelle Symphonie de fanfare. Thank you.